Je vais aller chercher Patoche parce qu'aujourd'hui on a les éoliennes, enfin les pales des éoliennes qui sont arrivées à l'entrepôt. Il faut qu'on aille les installer, enfin les amener au site. Et c'est vrai que lui il a investi dans une nouvelle tour. Ah oui, ah bah il est déjà au taquet. Salut Patrick, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Écoute, je suis jamais venu dans ta nouvelle tour, faudra que tu me montres à un moment où on a le temps. Oui, bah faudrait, mais... Ah, par contre là c'était horrible ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ascenseur il a mis au moins 30 secondes à monter jusqu'à tout en haut. Ah parce que toi t'as pris tout en haut, bah t'as tous les étages pour toi. Ah non, mais c'est mon immeuble! Bah oui, je sais, mais t'as tous les étages pour toi, c'est bien ce que je dis. Ouais, mais ce que j'ai fait, c'est qu'au tout dernier étage, j'ai mis une piscine. Ah, d'accord, c'est pour ça Du que tu coup, le montes en matin, haut. c'est parfait. Ah oui, elle est haute, hein, j'avais pas vu. Eh, Ouais, bah elle est pas mal, et regarde, même de ce T'as côté-là. cru on était aux States ici ou ça se passe comment? De ce côté-là, tu peux garer tous tes véhicules. Ah ouais? Et si des fois. Est-ce qu'on peut revoir d'ici? Non, on peut pas. Mais en gros, t'as un garage qui est au niveau du cinquième étage, donc sur D'accord, trois étages ouais. différents. Et donc, tu peux garer toutes tes voitures dedans, c'est parfait. Ah bah d'accord. Bah écoute, tu me feras visiter quand on aura un peu plus de temps. Oui, bah tu diras quand tu peux et. À la fin de la journée. Par contre, on a reçu les pales d'éoliennes aujourd'hui, donc tu prends ta bagnole et on va à l'entrepôt. Parce qu'il faut qu'on les livre avant 11h du matin. C'est à quel entrepôt? Bah celui, tu sais, plus bas là, tout droit, puis à droite, tu sais, quand tu rentres au début du bois là. Ok. Ouais, et du coup, bah, par rapport à mon immeuble, j'en avais juste marre de la maison que j'avais avant. Ah, la maison de millionnaire là? Oui, bah ma maison quoi. Ah oui, excuse-moi, Je j'ai bien l'aimais la bien, sauf que camisole. du coup, je l'avais fait construire dans 18 pays différents en Ouais, 150 exemplaires, donc ça ouais. faisait beaucoup au bout d'un C'est vrai moment. qu'on l'a souvent vu, Donc mais là. c'est vrai que là, ta nouvelle tour, elle est pas mal, hein. J'espère que tu vas la garder Ouais, parce bah que. si elle fallait bien, je vais la garder, hein. Bah, je pense qu'elle est pas mal, Bon, hein, allez, t'es bien. on se rejoint là-bas. Ouais! Ah bah oui, évidemment qu'il est bien. C'est vrai qu'avant il avait sa maison de millionnaire là. Évidemment il est millionnaire hein, Patrick. Mais là évidemment bah je pense qu'il. Et franchement ça a dû lui coûter un pont quand même. Bon pour lui c'est rien tout ça. Et les pièces après. Bon, notre livraison elle est bien là. Ouais, on a les pales des éoliennes qui sont là. Il faudra juste qu'on. Ah, ils ont amené le moteur aussi je crois. Et donc le moteur est là et les pales sont là. Normalement avec notre plateau ça devrait le faire. Hein. Même si c'est un peu long, ça devrait être bon. Hop! Voilà! Ouais, garde-toi là, Patrick, parce qu'après il faut qu'on sorte avec les camions, enfin avec le Gulsa, avec le long camion, donc. Ils ont tout livré? Bah, normalement, ouais, regarde, il y a Donc les il y a une pale, deux trois pales, pales. trois Et le pales. moteur. Ok, Et le oui, moteur bon est bah là, on n'a plus qu'à c'est. mettre les pales, tu sais. Enfin, c'est pas nous qui les montons, ça après, mais bon, nous, il faut qu'on livre, quoi. Non, bah faut juste qu'on les Ouais. envoie. Écoute, je vais enlever la voiture ici, et puis on charge la. Ok. T'avances le camion, et comme ça, je peux. Enfin, mets-le devant, devant, et qu'on ait de la place pour charger ça, parce que t'as vu la longueur du truc. Ok, on fait ça. Ok, ça marche. Ouais, j'ai démarré tout ça. Voilà. Ouais, je vais comme ça, il va se mettre devant. Parce que là, vu la longueur du truc, alors je sais qu'on a une grande entrée hein, ici. Mais le truc, c'est que. Waouh! C'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est vrai qu'on n'avait jamais fait du transport de pales. Mais là, ils nous ont demandé d'en faire pour l'installation des éoliennes dans le village d'à côté. Enfin, c'est pas très loin d'ici. Il faut en fait. Tu traverses le village et c'est en face. D'ailleurs, il va falloir traverser le village avec le Smith 20. Enfin, la remorque de 25 mètres et le camion là, ça va pas être évident. T'arrives à sortir? Ou c'est compliqué? Il n'y a pas beaucoup de place ici. Attends, je vais enlever le télescopique aussi. Et comme ça, tu peux prendre plus large, ça va? Ok. Parfait, comme ça, avance, 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 je te laisse passer. Comme ça? Encore? Bah, encore? Mais il faut que je la prenne avec le télescopique, la pale. T'es marrant, toi, tu me Non, je vais bloques. me décaler un peu plus. Ouais, mais en fait, avance, 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 avance. Mets-toi devant, en fait, carrément. Toi, moi, je peux la prendre. Nickel, bouge plus. Bon, j'ai déplié le bras, alors c'est un peu lourd hein, ça, mais bon, ça devrait être bon. On va bien se mettre en dessous, on va aller délicatement parce que j'ai pas envie de la péter, ça vaut une fortune. Et après, si c'est nous qui devons rembourser, pas la même chose. Hein. Parfait, tout est bon. Ouais, tu prends la voiture? Ok, bah tu sais conduire le camion avec Ouais, enfin comme bah ça. écoute, tu vas passer devant, par contre, me trace pas avec quoi, laisse-moi comme ça, on se colle quoi, l'un derrière l'autre. T'inquiète pas. Ça, parce que On va faire un sinon. convoi. Bah sinon dans les petits chemins, ouais, parce que sinon dans les petits chemins on va bloquer la Bon, circulation, tu le justement. gares et on y va. Pour la route, on va devoir faire une marche arrière ici. Bah écoute, ouais, on va faire le marche arrière, tu vois c'est où hein? Bah en gros il faut traverser la ville, de toute façon c'est là où il y a déjà installé 3 ou 4 Bah dans éoliennes, tous les quoi. cas, on doit repasser devant chez moi et Ouais, après on voilà. continue à droite Voilà, on et traverse la c'est ville tout au fond qu'ils voulaient l'installer, c'est ça? Ouais, tout au fond à gauche, mais il y a déjà 3 autres éoliennes, t'inquiète, on va les voir. Ok. Allez, je garde ça tout de suite. Bon, garer le petit télescopique. Il va super bien ce télescopique, on s'en sert pas mal pour tout ce qui est. Ouais, toutes les marchandises qu'on doit livrer. Hein. Voilà, bon, pour le moment, on n'a plus rien dans l'hangar parce que vu on devait recevoir les pales et enfin tout ce qui est le kit de l'éolienne, on a fait de l'espace pour qu'on puisse tout prendre. Je vais juste taper les sangles, histoire que ça bouge pas. Voilà. Laisse-moi un peu de place, fais demi-tour et. Tu sais quoi, au pire, je fais demi-tour là à droite. Hein. Ah, on va faire demi-tour, ouais, Ouais. sur le terrain en face. Ouais, ça marche. Je replie mes rampes et on est parti. Voilà. Ouais, tu sais quoi, je vais prendre large parce qu'en fait, le truc, c'est que là, on a vraiment un plateau de 25 mètres.
Et t'as l'impression que des fois que tu peux tourner, que ça va passer. Et bon, là ici, y a pas trop de soucis, mais c'est surtout dans la ville que ça me fait peur. Parce que là, on a rarement besoin de ce plateau-là, mais quand on en a besoin, c'est pas pour des petits transports, quoi. Bon, il est passé où, lui? Ah, il m'attend peut-être devant, non? Ah oui, c'est bon, il est là. Hop, je vais faire un appel de phare. Ok, c'est bon, il a vu mon appel de phare. Je vais aller super doucement. Regarde, juste déjà ici, la sortie, je suis obligé déjà de la prendre large parce que ça passe vraiment tout juste avec mon plateau. Je pense que si on roule à cette vitesse-là, ça devrait être bon. Même lui, faut pas qu'il aille trop vite, hein, parce que l'air de rien, c'est quand même du poids ce qu'il a à l'arrière de la remorque et ça prend quand même de la place aussi. Oh, il y a des cons sur la route. Comment ça, il y a des cons sur la route? Moi, je vois rien. Bah, je les écrase ou pas? Des gens? Ouais, il y a des gens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, avance, on s'en fout, j'ai non? J'ai pas eu sur avec des... Oh, ok. Arrêtez-vous, là! Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'essaie de le... Il bloque la route, mais dis-moi, je vois pas, moi. Attends, tu sais quoi, je vais descendre. Oui, il bloque la route. Oh, non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? On veut pas d'éoliennes ici. On s'entend. Les éoliennes, c'est de la merde. Oh, on n'en veut pas. Attends, éteins ton moteur, mais qu'est-ce parce qu'on en s'entend. Bon, nous, on n'est pas là pour installer des éoliennes, on est là pour livrer. Ah, non, d'accord. Bah, oui, les d'accord. Livrez pas. On va enlever. Mais non, vous passez pas. Vous faites quoi là? C'est pas possible. Ils vont ça. Pas nous faire. Eh, s'il vous plaît, nous on n'a rien à voir avec l'installation d'éoliennes, on est payé pour livrer les pièces. Après vous vous démerdez avec les gens qui les installent. Bah, tu peux te mettre de l'autre côté qu'on s'en fout. Ce truc de fond là. On s'en fout nous. Et oui, bah, nous aussi. Bah oui, nous aussi on s'en fout. Enfin non, on veut toucher notre thune, mais on s'en fout pas. Enfin nous c'est de vous qu'on s'en fout. Donc maintenant vous bougez. Vous pensez nuisance sonore ou pas? Nuisance sonore, nuisance visuelle. Mais nuisance sonore de quoi? Ça fait pas de bruit, vous entendez des bruits? On parlait quand même de nuisance visuelle. Vous voyez la tour qui est là-bas? Elle est magnifique. J'habite au tout dernier étage. Enfin, j'ai toute la tour. Et à chaque fois que je me lève le matin, qu'est-ce que je vois? Les éoliennes. Vous croyez vraiment que ça me dérange pas? Voilà. Mais ah ben lui, c'est pareil. Hein. Est-ce que moi je me plains? Oui. Non. Pourquoi vous voulez? Alors bon, maintenant. Parce que c'est ce qui avancer. Nous fait vivre, c'est notre métier. Mais ils comprennent rien, ça se passe comment? On en veut pas. Mais vous, vous en voulez pas, c'est votre problème. Mais si c'est autorisé, pourquoi on fait rien d'illégal? Vous avez vu le paysage, comment c'est moche derrière? Bah non, c'est très beau. Ouais, je vois des maisons qui sont complètement sales ici, c'est laquelle la vôtre? Tous les oiseaux qui sont tués par an avec ces éoliennes là. Oh là 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 là. Bon, c'est pas tout, mais on fait quoi? On force le passage? Bah écoute, ça va être compliqué parce qu'ils ont un tracteur et un camion derrière. Ah oui, d'accord, ils se sont carrément installés sur la route, ils ont même un mobilhome. Ah oui, on a installé pour la semaine. Ah oui, pour la semaine. Attendez, vous avez un barbecue? Bah ouais. Et vous? Bah oui. Non. Ah mais attends, vous savez le barbecue? Ah, ils ont un barbecue? Non. Bah allez dans le mobilhome, hein, rentrez pas dans le mobilhome. Ah, des nouveaux 700. Gars, en plus, Patrick, souris, y'a quelqu'un qui te prend photo, viens, on fait un selfie. Ah, bah vas-y. Coucou. Tous les deux ensemble. Cheese. Ah, ouais. Bon, maintenant, vous dégagez là, allez hop, vous rentrez chez vous là. Bah, tenez, vous pouvez m'envoyer la photo à ce numéro? Merci. Bon, chez vous, bon du coup, pourquoi on devait... Non, mais laissez-nous passer. Si vous vous en voulez à quelqu'un, allez-vous en prendre au gouvernement, pas à nous. Ah, mais non, mais j'y pensais. Quoi? Ils avaient dit que des fois, il n'y avait pas d'éolienne qui était installée, c'était une centrale nucléaire. Ah, c'est ouais, vrai, c'est ça. Vrai. C'est vrai, ça oui, bah, au pire, c'est pas grave, mais ça nous fera aussi du travail. Oui, ça nous fera du travail de toute façon. En tant qu'est-ce que c'est une centrale nucléaire juste à côté? De toute façon, le gouvernement, d'ici qu'on arrive à lui parler. Bon, trêve de plaisanterie, vous nous laissez passer parce que nous, on n'a rien à voir là-dedans. Non. Bon, très de plaisanterie, vous. Ah, mais pas mal la voiture, quand même. Elle serait bien écrasée, non? T'en penses quoi? Ouais, bah, allez-y. Mais ta Mercedes aussi, elle serait bien écrasée par le JD. Ouais. Alors, le JD, c'est quoi le JD? Le John Deere. Ah, John Deere, le tracteur. Ah, bah, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Ils sont pas intelligents. Bon, dégagez. Oui, oui, allez, hop. Allez, hop. C'est pas grave, Patrick. Notre route. Oui, oui, bah oui, viens, évidemment. Allez, oh. Ah, toujours des gens pour nous casser les gens. Faut les suivre. Oh là 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 là, tu vois, même en travaillant, tu fais rien de mal. Nous, on est payé pour livrer. On n'est pas payé pour les installer. Moi, je m'en fous qu'il y ait des éoliennes, sincèrement. Mais eux, là, qui nous font chier parce qu'ils veulent pas d'éoliennes. Mais qu'est-ce que nous, on en peut? C'est pas nous, c'est pas notre faute. Bah, attends, je vais appeler Patoche. C'est pas possible. Attends, je crois qu'il faut prendre à gauche ici, du coup. Attends, je vais voir avec lui. Ouais, c'est ici à gauche du coup? Normalement oui, c'est ici à gauche. Mais ils vont nous faire chier, regarde là où ils me font tourner maintenant. Ouais, en plus ils sont en train de refaire la route. Fais chier quoi. Qu'est-ce que nous on en peut qu'il y ait des éoliennes là? Nous on est payé pour les livrer, sincèrement ils comprennent pas le français ou ça se passe comment là? À bouffer. Non mais t'inquiète pas pour eux, c'est bon. Ouais bah je m'inquiète, c'est pas que je m'inquiète pour eux, c'est que je m'inquiète parce que regarde avec dans quoi ils nous font passer du coup. Ouais mais on sera payé à la fin, c'est le principal.
Ici, je suis obligé de couper dans l'herbe là pour passer. Ah ouais, ça va, je peux rejoindre la route là. Par contre, ils nous suivent ou quoi, c'est con? Ah bah oui, ils nous suivent. Je les vois dans le rétro. Ouais, ils sont toujours derrière. Bah c'est pas grave, ils iront se plaindre, je sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. Dans toutes les cas, une fois qu'on a livré, on a livré. Hein. Oui, on a livré. Et ils veulent porter les pales et les emmener autre part, ça c'est eux. C'est pas grave, il y a le camion gris qui nous attend. Moi je décharge, j'ai plus de ciao bello, je suis plus là. Hein. Après, on ira boire un verre au dernier étage de ta tour pendant qu'eux ils seront, je sais pas, en train de faire quoi là. D'ailleurs, ils seront toujours devant la pale en train de la regarder en train d'être montée. Hein. Ah d'accord. Je me mets là, ça va? Ça gêne pas là? Ouais, c'est parfait. Ok, nickel. Bouge plus. Voilà. Ah là là. Ils veulent vraiment une photo de notre tronche? Je comprends pas là. Et regarde. Et regarde, et regarde. Ils se sont mis dans la route. Oh là 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 là. Bref, arrange-toi avec eux. Moi, je commence à décharger. Mais du coup, monsieur, vous avez quoi comme viande pour barbecue? Alors, on a pris du stock parce qu'on sait que vous êtes têtu et que. Ah non, non, vous savez qu'on a faim surtout. Bon Patrick, arrête de discuter avec eux, viens m'aider parce que là ça fait n'importe quoi attends, le moteur. J'ai pas le temps. Mais il a pas le temps. Oui, donc du coup. Non, on sait que vous êtes têtu, ça va durer longtemps et on est obligé de prendre des stocks pour tenir. Non mais attendez, venez, on peut marcher un petit peu en parlant. Mais non mais du coup, après ce qu'on peut faire c'est Monsieur, moi je vous entends pas, ça fait trop de bruit. Oh. Mais de toute façon, vous avez vu, il y en a déjà trois d'installés là. On va faire un barbecue juste après, comme ça ça va être bon. Voilà, vous nous invitez à un barbecue et on arrête de vous faire chier. Ah, on faisait la barbecue, vous arrêtez de passer les éoliennes dans la ville et vous arrêtez de les monter là. Oui, de toute façon, c'était notre dernière livraison, après nous on s'en fout. Ah ouais, et il est où le pied, la dernière hein? Ah mais après c'est ça, pas ça, nous c'est qui... Camion, oui, oui, c'est un autre camion, nous on reçoit des trucs, on livre pas toutes l'éolienne complète. Hein. D'accord, vous livrez qu'une seule palme sur les trois. Vous. Voilà, exactement. Ouais. Ça arrive en fait dans notre dépôt. Patrick, tu veux bien désangler mon camion s'il te plaît? Ok, je fais ça. Et s'il y en a un des deux Lousticos qui peut t'aider là, ça serait vraiment bien. Oh non, Non. Non, le temps c'est de l'argent. Rêvez pas. Rêvez pas. Attends, discutez la politesse. Eh, la politesse c'est de rester avec nous, ils discutent, ils s'en vont, ils tournent le dos. Bon, nous on est au travail pendant que vous vous foutez rien, laissez-nous travailler s'il vous plaît. On travaille, on est militants. Oui, oui, militants, ouais. Oui, bah nous on travaille, on est transporteurs. Voilà, on est transportants. Les gars, faites gaffe à votre tête, hein. Moi j'ai pas envie de tuer quelqu'un. Ouais, de toute façon, c'est votre tête tout le temps alors. Ouais, et donc là, vous me justifiez pour qu'il n'y a plus d'herbe? Ouais, c'est parce que les animaux ils passent souvent ici, ils aiment bien cet endroit-là pour s'abriter de la pluie. Et vous expliquez pourquoi vous attendez qu'on a de l'ombre? De l'ombre? C'est parce que bah, le soleil se couche et qu'il y a des arbres derrière. Ah non, c'est pas un arbre. Eh, si vous voulez du soleil, il faut changer de pays, hein. C'est pas ici qu'on va en avoir, hein. Bah, elle est vachement beau. Du coup, vos éoliennes sont transparentes pour que le soleil passe à travers. Voilà, j'ai fini parce que là, écoutez-le. Patrick, j'ai fini là de décharger. Bon, au pire, ce qu'on peut faire, c'est parler de tout ça devant un petit barbecue. Comme ça, ça sera parfait. Me dis pas qu'on va les inviter à un barbecue. Tu veux avoir quoi comme débat avec ces gens-là? Non. Ils nous invitent. Okay. C'est eux qui veulent lancer le débat. On vous invite et vous payez la bouffe. Ok, allez, on fait ça. Ah, tu payes la bouffe, Patoche? Ok, allez. Et non, ils sont déjà tous. Ah, ok, ça va. Non, vous allez au magasin avant, vous démerdez. Non, rien. Nous, on donne pas. Ah, bah attendez, il est 17h27, tous les magasins sont déjà fermés. Ouais, c'est déjà fermé. Hein. Vous allez dans le village, elle est encore ouverte jusqu'à 20h. Ah, oui, mais attends, je vais l'appeler, c'est un ami à moi. Allo, t'es ouvert? Non, il est fermé. Désolé. J'espère que vous êtes bien. Putain, il a répondu vite, Patrick, ton pote. Il est très rapide. En même temps, Oui, vous vous disiez, excusez-moi? Oui, pardon. Vous êtes vegan, j'espère? Ah oui, totalement, je mange que de la viande. Oui, mais nous, on mange que des légumes, ouais. Des légumes. Ne vous inquiétez pas. Mais il est vachement vegan. Bah si, on mange que des légumes, donc voilà. Que des légumes. Voilà. Entrecôte, faux filet, que de ça. Ouais. Eh ben, c'est bon, il va rien manger, donc c'est bon, c'est principal. Bon, par contre, bien vert, allez, légumes. Bon. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire? On peut venir, mais vous allez pas nous faire une tête comme ça, parce que moi j'ai déjà une tête comme un ballon de foot avec vos histoires. Oh, mais au pire, on va aller prendre de la bière. C'est le bout des éoliennes, ça. On va prendre à boire, nous. Ah ouais, tiens, on va prendre à boire. Nous, on prend à boire. Voilà, les éoliennes qui font la tête. Ne vous inquiétez pas. Oui, oui, les éoliennes, oui, c'est bon. Bon, allez, moi je retourne au dépôt et on arrive. A tout de suite. Allez, moi aussi, dans tous les cas. Ah, d'accord. Ah mais c'est bien que je suis au volant maintenant, il m'appelle. Ouais, bon, tu me diras tout à l'heure, je l'appelais. Ouais. Ah bah tu réponds enfin. Eh hey, pardon, excuse-moi. Par contre, qu'est-ce qui t'a pris d'aller au barbecue avec eux ou je sais pas quoi là? Non mais on va aller au barbecue plutôt. Eh oui, on va aller, mais c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils nous disent? On va avoir un sujet de conversation nul à chier. Mais on s'en fout de ce qu'ils vont dire. On va pouvoir manger. Ah mais oui, mais toi c'est vrai, j'avais oublié, mais tu vas juste pour ça en fait. Toi de toute façon, dès qu'on t'invite et qu'il y a de la bouffe ou de l'alcool, t'es là. Ouais, bah je sais bien, mais bon, t'as vu les détours qu'ils nous ont fait faire, ils ont créé une émeute dans la ville carrément, enfin bref. Ouais,
mais bon, dans tous les cas, ils vont rester là quoi, combien de temps? 2-3 jours maximum. Et eux, ils pensent vraiment arrêter l'installation d'éoliennes, hein. ils sont pas prêts, hein, parce que ça va pas. Ah, ils sont motivés en plus. Oui, ils sont vachement motivés. Hein. Là, on m'a parlé, quand ils m'ont appelé pour la livraison, ils ont parlé d'en faire 15-20, là, au même endroit. Parc à éoliennes, hein. C'est même plus placer quelques éoliennes, c'est vraiment un parc. Oui, mais c'est un parc à éoliennes. Ouais. Donc c'est bon. T'es déjà alcoolisé, toi, non? Ouais, compliqué. Non, pas encore. Ah, d'accord. Okay. Bon, tu sais quoi, on va aller voir ce qu'il raconte. On rentre et tu reprends. Bah, on va à nos deux voitures. Ouais, bah, dans tous les cas, j'ai tout ce qu'il faut avoir dans ma voiture. Ok, okay, c'est bon. Ah, oui, ok, ça va. On est parti. Bon, bah, du coup, on y va. Ouais, c'est bon, j'ai rangé le camtar. Tout rangé. T'as enlevé les clés, hein, de la Merco? Parce que bon, vu qu'on n'a pas encore de portail. Ah, oui, bah, oui, c'est bon. Ok. Bah, écoute. Dans tous les cas, c'est déjà quand la fin de la construction? De quoi? D'ici? Du chiffre social, là. Ouais. Bah, bientôt, je pense, d'ici un mois. Ah, okay. Il nous manque un agrandissement et le portail. Hein. Ah, tu parles là-bas. Je pensais que tu parlais chez nous parce que nous, il nous manquait juste le portail et un agrandissement. Non, mais c'est ici auquel il y aura le. Oui, mais je pensais que tu parlais du site là-bas. Parce que là, ils s'avancent pas. Ça fait quand même 3 mois qu'ils sont là, ils ont rien fait. Ouais, faudra leur foutre un coup de pied au cul. Ouais. On avait prévu combien d'étages déjà pour ici? Bah, 4. 4? Ouais. Plus un souterrain, tu sais, pour comme parking. Ok, bon bah, on va aller manger et. Bon, de tous les cas, ouais. Ah oui, non, d'accord, je viens de regarder la liste des commandes d'éoliennes. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. Oui, oui, on a encore pendant 20 ans avec 4 par an. 4 par an qu'il faudra livrer? Ouais. On leur a dit que c'était les 20 ans. On leur a dit que c'était les derniers. Et on a encore 2 pâles ici. Bon, on fera un petit détour pour les prochaines, c'est tout. Ouais, on fera un petit détour. Bon, allez, vas-y, let's go, au moins on mange avec eux. On mange tout court. Allez, vas-y, go. Bon, on va voir ce qu'ils ont à nous raconter de beau, mais à mon avis, pas grand chose, hein. Allez, let's go chez eux, voir s'ils ont un petit barbecue et de la bonne viande, surtout. On est là! C'est pas trop tôt. Ils sont où, là? Ah, ouais, on a crié non bon, plus, hein. Tout est là. Ah, c'était prévu pour manger. J'espère que vous avez en amour, au moins que vous avez... Ah, moi j'ai faim, par contre. On a bon, faim. On a ramené de quoi boire. Vous avez seulement à manger, nous? Bah, il est 18h, vous mangez avec les poules ou quoi? Ah non, on a pas mangé, hein. Bon, allez, montrez-nous cette caravane un peu. Bon, allez, moi je rentre par ici. Non, chez nous aussi. Voilà, on rentre par la véranda. Il est ouvert le frigo? Bah ouais, mais vas-y, mets-y les boissons, Patrick. Ouais, par contre, le frigo sera beaucoup trop petit là pour les boissons. Ah bah c'est pas grave, ils ont. Mais putain, vous avez qu'un frigo? Par contre, je me suis renseigné là. Oui. C'est pas fini, Julien. Ah si, c'est fini, hein, on en a discuté en rentrant, c'est fini. C'est pas fini, non. C'est fini à 100%, Patrick. Ils nous ont dit que c'était les deux dernières à livrer. On s'est renseigné avec la mairie, c'est un projet de 20 ans. Bah, c'est les deux dernières de cette année qui est... Ah oui, par contre, on n'a pas précisé que... Bah oui, évidemment. Non, mais oui, on vous a pas précisé, mais l'année prochaine, il y en a encore. L'année d'après, il y en a encore. Enfin, voilà, quoi. D'accord, ok. Et vous, les deux années ou pas? Bah, ce sera pas tout le temps nous. Ce sera pas tout le temps nous parce que nous on va investir. Ouais, on va prendre des employés, donc ce sera notre boîte. Après, ne vous inquiétez pas pour les barbecues, on est là. Investir dans les R. Par contre, si vous pouviez sortir de la caravane et partir, ça nous arrangerait. Bah, ouais, non, faut comment vous nous avez invité au barbecue et puis vous nous dites de partir. Oh, je chope, oui. Tu veux, je sors là. Sors. Pas beaucoup de force. Vas-y, viens, Patrick, parce qu'il nous invite et puis il nous évite. Non, mais ils sont. Non, mais les gens des manifestations, je les comprends pas. Les menteurs? On n'a pas menti, vous. Bah oui. On vous a pas menti, on a dit que c'était. Non, mais allez, Patrick, viens, on va faire barbecue dans ta tour là-bas. Allez, parfait. Par contre, fais gaffe, il y a un manifestant qui est monté sur ta voiture. Non, oh, bah je suis parti avec lui, t'inquiète. Il est en train de chier dessus, let's go. Allez, salut les gars, merci pour le barbecue. Hein. Ouais, ça dégage. Pas bien, je pas. Non aux éoliennes, les mises en sonore, ça nous gêne.